L'envie du show, c'est une très longue histoire. J'ai toujours fait du spectacle, j'adore ça. C'est une passion et ça me quittera jamais. Au paradis, tu rêves à Lyon et tu t'envoles d'émotion. Au paradis, te surprendra. Oui, le spectacle, c'est fait pour ça. Ensuite, on va demander un rétroéclairage arrière des deux du fond. J'ai commencé très jeune, au grand désespoir de mon père, puisque à 14 ans, même avant, je crois que même à 10 ans, je faisais des marionnettes en carton, donc c'est pas d'hier. Et j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours été fou du spectacle depuis tout petit. Je pourrais difficilement passer de ça aujourd'hui, c'est sûr. On va bien prévoir aussi les costumes en fonction. Pensez au chapeau pour les garçons. Être dans un personnage dans le domaine du transformisme, c'est d'abord être capable de pouvoir se démultiplier, parce qu'il faut quitter sa propre personnalité et endosser celle de l'autre, ce qui n'est pas toujours évident. Mais ça fait ressortir beaucoup d'émotions intérieures à titre personnel. L'avantage de l'artistique, c'est que sur scène, vous expulsez tout ce qui est mauvais. Enfin, c'est-à-dire que tout ce côté négatif sort par le côté très optimiste. La culture, c'est monumental, c'est magique. Le transformiste, il faut qu'il incarne complètement un personnage, qu'il soit capable de l'imiter à la perfection. C'est une situation difficile quand dans votre enfance, avec un père militaire, enfin sapeur-pompier, excessivement exigeant sur plein de choses, de lui dire qu'on va sortir du cadre, il aurait certainement mieux aimé que je sois prof, que je sois artiste. Et l'artistique fait très peur aux parents, parce qu'on sait que c'est très difficile de gagner sa vie en étant artiste. Jamais un artiste complet, un artiste comblé, oui, parce que je crois qu'il n'y a pas plus belle chose que de réaliser pendant cette année ce qu'on a fait. Le cabaret, c'est une vie dans une vie, c'est une ville dans une ville, c'est une équipe dans une équipe. Au paradis, tout n'est que frère. Au paradis, jamais. Le 14 mars, nous étions sur scène. Et quand on vous montre un portable en vous disant « Voilà, ce soir, c'est fini à minuit, il faut tout fermer », je peux vous dire que c'est une claque monumentale. Et en plus, à minuit, il y avait quand même la police à la porte. Hein. Un artiste sans contact, sans public, il meurt. Ça ne sert à rien. C'est très difficile. Au paradis, tu rêves à Lyon et tu t'envoles d'émotion. Au paradis, te surprendra. Oui, le spectacle, c'est fait pour ça. Le show commence.